Eh bien, salut à toutes et à tous. On va ouvrir tout ça, retour des courses, Picard. Sauf que j'y étais pas, j'ai juste commandé tout ça sur internet. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Bon, désolée, vous allez entendre la machine à laver parce que je suis en train de laver le linge. Et comme je suis dans la cuisine, pour ranger immédiatement ce que j'ai commandé, vous allez devoir écouter le bruit. Bon, je sais pas si j'ai des factures à l'intérieur. Bah, bizarrement, il n'y a aucune facture. Bon, bah, je vais essayer de vous mettre les prix directement dans la vidéo si je les trouve. Sinon, bah, écoutez, tant pis. Pauvre livreur, il est arrivé sous la flotte. Tout est bien mouillé. On va commencer un peu dans le désordre, je pense. Il n'y a pas d'ordre en fait. Il y a beaucoup de légumes. Donc on a pris 1 kg d'haricots verts fins. Je range tout de suite. Hein. Ensuite, julienne de légumes, 450 grammes. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, je me suis lancée dans les légumes. Oh, ils sont minuscules. 600 grammes de choux de Bruxelles. Je n'aime pas ça. Du tout, mais de temps en temps j'en mange, mais mon chéri il aime ça. Alors, cocktail de fruits rouges, 450 grammes, vous avez ici des framboises, des myrtilles, framboises, groseilles, blueberry, mûres, cassis. Voilà, il y a un peu de tout. Hein. Ensuite, cerise noire dénoyautée, ici on a 600 grammes. Je pourrais les prendre soit pour les desserts, enfin faire les tartes moi-même, soit les manger comme ça parce que j'adore les fruits frais. Ensuite, j'ai pris des légumes à griller, 600 grammes, comme ça. J'ai froid. Ça, c'est la première fois que je prends pour tester, c'est des tomates 105 grammes en cube à l'italienne. À tester, je ne connais pas encore, j'ai toujours soit la tomates concentrées, soit les tomates épluchées, vous savez, dans les boîtes que je prends, soit je fais moi-même, mais c'est rare parce que les tomates coûtent cher. Donc voilà, j'ai pris ça. Après, il y a des boîtes. Et ça, c'est plus les repas pour midi de mon chéri pour le travail. Déjà, ça non, ça c'est pour la maison. Vos sautés, j'adore ça, j'adore le faire avec les poivrons à côté dans la sauce tomate. C'est un régal, j'adore ça. Ça c'est super bon, ça coûte cher. 750 grammes, bon, je crois que c'était 13,35€, un truc comme ça, je sais plus. En tout, tout le colis là, j'ai payé 67€ il me semble pour les deux colis là que vous voyez là. C'est plutôt pas mal. Et en fait, j'avais reçu un bon de 5€ de remise plus livraison gratuite, donc j'en ai profité. Il fallait acheter pour à partir de 70€, vous pouvez bénéficier de votre bon de 5€ de remise. Ce que j'ai fait, voilà. Après, j'ai pris 10 steaks hachés, 15% moins de 15% de matière grasse. Je n'ai jamais testé les steaks hachés de chez Picard. On achète souvent chez Intermarché, on achète Charal, il me semble. Ceux-là, je ne les connais pas. Mais on va voir, viande bovine française. Ensuite, les boîtes donc de repas pour mon chéri. Alors, j'ai pris gratin de pâtes, épinards, poireaux et sauce au comté. Ces petites boîtes, j'adore. Moi, quand je travaillais, je prenais pour midi souvent et quand je faisais mes études, pareil. Vous n'avez pas besoin d'avoir le frigo. Le temps de votre pause, ça se décongèle doucement. Après, vous le chauffez 6 minutes, je crois, dans 4 minutes et demie au four à micro-ondes. Et c'est nickel. Comme ça, même s'il n'y a pas de frigo sur place, franchement, jusqu'à midi, vous tenez bon. Pas de problème, ça tient, ça se décongèle doucement et puis vous le chauffez. Même des fois, vous n'êtes pas obligé de chauffer 4 minutes puisque ça s'est décongelé tout doucement à température ambiante. Moi, je fais ça comme ça. Et ces petits repas, ils coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est genre 2€ ou 3€, un truc comme ça. Après, on a pris ça, donc parmentier de bœuf charolais. Celui-ci, il était un peu cher. L'autre, c'était 200 grammes, je crois. Ici, c'est 330 grammes. Voilà. Ça a l'air bon en tout cas. Tout ça, c'est des plats cuisinés pour qu'ils mangent au travail. Et puis, on a pris aussi 350 grammes brindade de morue parmentier à l'huile d'olive, 6%. Ça a l'air bon. Poulet au curry et au lait de coco duo dori aussi. Voilà, celle-ci, c'est la plus grosse. Ah non, 300 grammes. Voilà. Bon, comme ça, il aura ses petits repas. Après, on continue pour la maison. Donc, fleurette de brocoli, 1 kilo. Ensuite, épinards en feuilles 1 kg, en branche, pardon. J'aime pas les épinards hachés, je déteste ça. Ça, c'est assez de place, ça va. Je me suis lâchée. Les haricots coco,
Non, haricots beurre. 1 kilo, pareil, j'aime beaucoup, elles sont très douces. Très doux, très tendres, j'adore. Ça, j'ai pris pour tester, j'ai jamais encore acheté les oignons émincés, mais à chaque fois, j'en ai marre. Ces derniers temps, je pleure tout le temps quand je coupe l'oignon. 1 kilo d'oignons émincés. Ensuite, j'ai pris les champignons de Paris, 1 kilo aussi. J'aime beaucoup les champignons, quel que soit leur état. Je vais me batailler pour trouver une place. Il n'y en a pas. Et donc, j'ai pris les poivrons comme ceci. Trio de poivrons, 600 grammes. J'adore ces poivrons. J'ai pris également duo de haricots plats coupés, 600 grammes. Pareil. Et enfin, le dernier sachet, pareil, les oignons 450 grammes, oignons rouges émincés. Voilà, pour tester. Écoutez, je suis plutôt contente, il y a tout ce que je voulais. Je vais juste essayer de caler ces trois sachets. Bon, j'ai juste retiré les bacs à glace. La prochaine fois, j'y remettrai. Sinon, j'ai plus de place dans le congélateur. Voilà, donc là, j'ai chargé pour pas mal de temps, je pense. Vous avez vu ma vidéo de fruits frais et légumes qu'on a achetés. Maintenant, c'est pareil, c'est extra frais, donc c'est du congelé. J'adore les courses chez Picard, c'est pas plus, beaucoup plus cher que peu importe le marché. Et puis ça livre à la maison, donc c'est génial. Là voilà, j'en ai profité, je suis très contente et satisfaite. Là, le congé il est blindé pour quelques semaines, là je pense. Facile. Voilà, donc du coup, écoutez, j'espère que ce petit retour de course, plutôt unboxing on va dire, Picard vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à liker cette vidéo en mettant les pouces en haut, à vous abonner et puis activer la petite cloche de notification des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, ciao !